Plus de 1300 migrants ont été secourus ce samedi par les gardes-côtes et la marine italienne en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Plusieurs navires avaient été dépêchés vendredi pour venir en aide à trois embarcations surchargées et en difficulté. Les migrants ont été ramenés sains et saufs dans plusieurs ports du sud de l'Italie. Ces opérations de sauvetage interviennent près de deux semaines après un naufrage meurtrier survenu au large de la ville calabraise de Crotone. Ce samedi, le corps d'une 74e victime a été découvert, celui d'une fillette de 5 ou 6 ans. La justice a ouvert une enquête sur ce drame pour tenter notamment d'expliquer l'arrivée trop tardive des secours. Ce naufrage a choqué l'Italie et suscité de vives critiques contre le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, élu sur une ligne anti-migrants.